Jeune Critique Artistique, c'est un projet qu'on a lancé avec Canopée. L'idée, c'est de mettre les élèves dans la peau de journalistes musicales et donc de découvrir vraiment les métiers connexes des musiques actuelles. Alors en ce moment, il prépare pour l'instant le concert de Richard Allen. Donc on va avoir trois élèves qui vont l'interviewer en anglais avec des questions que tout le monde a préparées dans la classe, avec au préalable des petites recherches sur sa carrière musicale. Et ensuite, certains élèves vont devoir prendre des photos, d'autres vont devoir retranscrire à l'écrit les réponses qu'il va pouvoir donner, et d'autres vont devoir faire un récapitulatif de tout le projet depuis le début, avec la visite de la Lune des Pirates, avec toutes les recherches qu'on a pu faire, et ensuite le concert, tout simplement. Sur le plan linguistique, puisque je suis professeure d'anglais, il s'agit également de les initier au métier du journaliste, donc à travers l'écriture journalistique, par le biais d'écriture de chroniques musicales, et également les initier à la technique de l'interview. Thanks. On interview en anglais, ce qui n'est pas forcément facile, mais du coup, on a pu quand même le préparer, du coup, ça va bien se passer. Ouais. I have no idea. C'est un autre côté de l'anglais. En plus, il a une double nationalité, donc c'est super intéressant à ce niveau-là. Ça permet de découvrir plusieurs choses et donc j'ai appris pas mal de choses. Ça fait partie d'une des trois missions de la Lune des Pirates. Donc c'est ce qu'on appelle l'action culturelle et c'est le fait de proposer à des publics spécifiques des actions culturelles autour de la sensibilisation et de la pratique aux musiques actuelles. Et donc là, c'est vraiment de travailler autour des métiers qui entourent les musiques actuelles et une salle de spectacle. C'est, je pense, pour les élèves intéressant de pouvoir participer à un projet où ils sont amenés à rencontrer véritablement un artiste anglophone et pouvoir l'écouter et l'interviewer. Donc il y a un côté authentique au niveau de la communication qui, je pense, est un atout quand on travaille dans ce cadre de projet. Quête.